Bon, les filles, en fait, là, je suis un peu embêtée. Enfin, je voulais me confier parce que voilà, bon, moi, vous savez, j'adore être maman. Moi, j'ai vraiment les gamins, j'adore ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un bonheur avec des bras. Bon, après, ça peut être un bonheur qui va te, qui va te faire chier parce que tu vas te dire, hey, j'ai soif, j'ai faim, etc. Mais c'est un bonheur que tu construis avec ton couple et tout. Et en fait, voilà, moi, j'ai dit à Gérard là cette semaine, j'ai dit, écoute, Gérard, j'ai quand même 38 ans. Qu'est-ce que tu dis si jamais on part sur le fait de faire un cinquième bonheur? Tu vois, comme ça, on aurait cinq gamins comme les cinq doigts de la main. Et comme je sais que voilà, sur ce genre de discussion, vite, ça peut partir, tu vois, un peu musclé avec Gérard. Je me suis dit là, Jenny, il va falloir que t'enchaînes les arguments. Tu vois, vraiment, je me suis mis en boîte bazooka. J'ai dit, ouais, bon, après, je sais, tu vas me dire qu'on n'a pas les moyens. Mais j'ai dit, mais regarde, en même temps, nous, nos parents, quand ils ont eu, ils avaient encore moins que nous. Il me fait, oui, je suis d'accord. Et j'ai dit, et puis bon, après, tu vas me dire que Jean-Mi, le quatrième, il a peut-être pas le temps d'être le petit dernier. J'ai dit, mais en même temps, lui, pour lui, avoir un petit frère aussi, c'est bien. Il me dit, oui, non, mais je te dis que je suis d'accord. Et moi, je lui dis, bon, après, tu vas me dire que nous deux, dans notre couple, on n'a pas assez de temps. Et là, d'un coup, il me hurle, mais je te dis que je suis d'accord. Moi, j'ai dit, mais t'es d'accord de quoi? Il me dit, bah, de le faire ton gamin. Et là, tiens, ça m'a scié. J'ai dit, attends, Gérard, wow. Gérard, je sais pas à quoi tu joues, mais là, t'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite. D'où tu dis que t'es d'accord? Il me dit, mais je sais pas ce que tu veux entendre. J'ai dit, mais jamais de la vie. J'ai dit, moi, ce que j'ai envie, c'est pas forcément de faire un enfant. Moi, ce que j'aime, c'est te convaincre d'avoir un enfant. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vais devoir sortir des arguments et que toi, je te vois freiner. Et du coup, moi, je dois contre-attaquer, je dois te manipuler. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a de l'enjeu, il y a du tumulte. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu vois, quand un enfant que tu voulais pas, et ben qu'après, tu vois l'échographie, t'as la larme qui coule. Et là, je me dis, ça, c'est un beau couple. Ça, c'est une démarche d'amour. Et là, on arrive à quelque chose de beau. Attends, mais là, j'ai vu, mais il me fait flipper. Il me fait flipper. Attends, bonne humeur comme ça, ça veut dire il va finir quoi? Soit il va finir trop haut, soit il va faire la crêpe. Non. Moi, je te dis, hein, un père qui veut être père, ouh, je me méfie.